Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que pour moi c'était l'année du bac, donc je devais me concentrer à 100% sur mes études. Oh shit. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'ai pris le projet l'été dernier de partir, du coup cette année, l'année prochaine, de partir faire mes études en Israël. Du coup c'est un très gros projet puisqu'il y aura seulement ma grand-mère sur place. Du coup je vais laisser ma mère et mon chat ici. J'aurai pas d'amis, j'aurai juste ma grand-mère, donc ça va être assez compliqué, il va falloir que j'apprenne la langue, que je me débrouille, etc. Donc ce sera ma dernière vidéo en France, je l'espère. Écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite et c'est parti. Je me décale pour tout simplement que vous puissiez voir les try-on. Donc je vais commencer tout d'abord par le seul maillot que j'ai, donc il vient de chez Shein. Donc c'est un maillot une pièce violet, je sais pas comment il ressortira à la caméra. Il est franchement super canon. Il est dos nu, donc ce qui est bien c'est qu'on peut le resserrer au niveau du dos avec les bretelles, il y a un petit nœud en bas. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'au niveau des fesses il y a une espèce de couture comme ça. Et du coup ça fait un cul de malade. Voilà, il aplatit pas les seins, il fait une très jolie poitrine et un très joli corps, franchement pour 10€. Foncé, surtout qu'il y a d'autres couleurs disponibles. Donc voilà, toujours de chez Shein, une petite robe violette comme ceci. Le lilas revient vachement en tendance cette année, avec des petits volants. Voilà, on aime, on n'aime pas, c'est assez spécial comme couleur, mais elle est très jolie portée, je vous montrerai. Ensuite, du coup, chez Zara, j'ai chopé cette petite robe jaune. Donc elle est très très jaune pétant. Voilà, elle est super belle, voilà, donc il y a un beau décolleté. Par contre elle est un petit peu courte, donc clairement si vous faites plus d'1m60 c'est pas la peine, ça vous fera carrément un t-shirt, mais elle est super jolie. Alors toujours chez Zara, donc j'ai chopé cette petite robe. Donc je l'ai pas trouvée en magasin, je l'ai trouvée sur le site, je l'ai vue sur Instagram, j'ai trop kiffé. Et donc voilà, on aime pas, bien sûr c'est une robe à franges, pas du tout transparente, elle est totalement dos nu, elle est ouverte dans le dos. Et moi j'aime bien l'associer avec une petite ceinture que je vais vous montrer juste après. Et je trouve le look juste canon. Ensuite, toujours de chez Zara, on a cette magnifique combinaison pantalon qui est très très longue. Qui est vraiment sublime. Je vais vous montrer de plus près les motifs. En fait c'est un bleu roi, elle est vraiment super belle. Il y a un beau décolleté devant, bon, moi je mets une épingle à nourrice parce que sinon c'est un peu too much. Un dos nu derrière, donc vraiment super belle. Elle est ouverte au niveau des côtés du ventre. Donc elle est super jolie. Et pour finir chez Zara, donc c'est un petit top en nœud en fait. Donc faut que je vous montre porter parce que comme ça, ça va ressembler un peu à rien. Mais il y a un nœud, enfin, je sais pas comment vous montrer. Donc je vous montrerai porter. Super beau, super classe, voilà. On n'aime pas comme d'habitude. Donc ensuite, une robe longue, passion robe longue. Depuis que j'en ai acheté une verte que je vais vous montrer après à Stradivarius avec Jeanne. Passion robe longue. Du coup c'est une robe longue laisseur cas comme ceci et en fait elle est ouverte devant. De toute façon je vous montrerai portée, elle est très très longue. Bien sûr faut que j'attende de bronzer parce qu'elle est blanche et je suis blanche, donc blanc sur blanc ça a pas, voyez-vous. Et mais elle existait en vert mais il n'y avait plus ma taille, du coup il y a d'autres couleurs, je vous mettrai le lien. Ensuite du coup une robe longue encore une fois très très longue que j'ai chopé dans une petite boutique à Bordeaux, donc j'ai trouvé un dupe, du coup je vous mettrai la référence, c'est exactement la même, en plus elle est moins chère, moi je l'ai payé plus cher. Mais voilà, elle est super belle, elle se porte très loose au niveau du haut et c'est des manches bouffantes, sublime, vraiment sublime. Par contre moi je l'associe du coup avec la ceinture, toujours la même ceinture qui va avec toutes les robes, parce que je trouve que ça va mieux tout simplement, c'est beaucoup plus joli. Donc ensuite de chez Missguided, j'ai cette combinaison pantalon dos nu, je sais pas, ça ressemblera à rien, qui s'attache comme ça vous savez. Elle est super jolie, elle est dos nu, elle est longue, elle est blanche et noire, elle est super classe, elle est vraiment super belle. En plus il y a moins 60% en ce moment sur Missguided, je vous mettrai le code promo. Voilà, du coup si vous la voulez foncez, j'en ai une autre juste après mais elle est canon aussi. Du coup l'autre combinaison toujours de chez Missguided. Donc c'est une combinaison, vous savez, épaules dénudées et il y a des petites manches sur les côtés. Une combinaison de pantalon avec un petit volant en devant. Elle est super belle, genre pour l'été le rouge c'est trop trop canon. Du coup voilà foncé, elle est super canon, j'ai rien de plus à rajouter. Hein. Du coup ensuite on a cette petite robe qui sort de chez Brentini Paris qui est super jolie. Ça ressemble à rien quand je vous montre.
mais c'est une petite robe bleu roi courte où il y a des lacets qu'on noue à la taille. Elle est super jolie, on m'a demandé plusieurs fois d'où elle venait dans la rue. Elle existe en plusieurs couleurs. En plus, il y a des soldes sur le site, donc si vous la trouvez en solde. Ensuite, de chez Mango, j'ai chopé cette petite robe. Donc comme ça, elle ressemble à rien. Donc si vous êtes comme moi, j'avais pas capté pour l'enlever, en fait, elle se noue sur le côté. Enfin, devant, il y a un petit bouton, bref. Elle est super jolie, bleue et blanche. Pour l'été, trop canon, donc je l'ai prise en M. Et enfin, le plus gros coup de cœur de toute cette commande, c'est une robe Stradivarius longue verte. Elle est sublissime, vraiment, elle est sublissime. Elle est trop trop belle. C'est une longue robe verte de chez Stradivarius. Bon, je pense que beaucoup de monde l'a vue puisque je l'ai vue sur beaucoup de personnes. Sublime, vraiment, de là ma passion. Robe est partie, genre robe longue, genre vraiment. Depuis ça, j'ai acheté que des robes longues, elles sont trop trop belles. C'est une petite robe à cœur comme ceci avec un col V et des volants sur le décolleté. Elle est vraiment trop mignonne. Ça fait très féminin pour aller manger en ville ou quoi. Genre elle est sublissime, il y a des petits volants un peu partout. Je vous montrerai portée, mais elle est trop trop belle. Et du coup, pour finir ce haul, bah, je vais vous parler de la ceinture dont laquelle je vous ai parlé tout le long de la vidéo. Donc c'est une ceinture de chez Stradivarius qui m'a coûté 10€. Et tout dernier article de ce haul, bah, du coup c'est le top que je porte. Je vous montrerai, c'est un crop top blanc asymétrique avec une épaule où il y a une bretelle et l'autre non, donc c'est très tendance en ce moment et je l'ai trouvé canon, je pense, avec tous les pantalons où il y a du blanc, les jupes, il va avec tout, vraiment je vous montrerai avec un pantalon de chez Primark. Voilà tout le monde, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir de vous la filmer. J'espère que ma prochaine vidéo ce sera en Israël et voilà, je vous fais des gros bisous.